Ça ne peut pas se faire. Vous savez pas, il faut maintenant soit salarié, quoi, je sais pas, il avait été candidat à la présidence du CNPF, ou tout comme ça, il ne savait pas. Alors un jour, quand même, Jeanne Lourdes, il est allé voir, il dit, non, patron, t'es cadomé, c'est des mouillards à la moulée, t'es content, le cacarate, le Covid, Wall Street, tout ça, je sais pas. Patron, cadomé, c'est un petit peu... Dès qu'est-ce que tu veux? Jeanne Lourdes, il dit, bon, il passe vacances. Quand tu sais qui, bon, il nous resquitte les copeaux de ferraille quand je tape. Ouais, c'est ce qu'a fait le type, il dit, mais t'as rien, prenez tout ça. Et Jeanne Lourdes, tu sais, il était ramusette à tout ça qu'elle resquitte, et avec ses copeaux, il s'est fait une canne. 7 quintals. 7 quintals, 350 kilos. C'est très bien, c'est déjà de l'Ariège. Oui. Donc ils savent que le quintal, ça fait 50 kilos, parce que d'habitude, quand je suis dans les villes, un quintal, ça fait 100 kilos, ça fait 500 kilos. Non. Et taxe, c'est 4 kilos. Vous savez que les enseignants dans les départements du sud de la France, il y a 100 ans, quand il y avait un problème sur le quintal, ils étaient obligés de dire attention, Pichou, Aïchi, est le quintal de l'escole. Parce que le quintal de l'oustal, celui que le cochon, il faisait 4 quintals, c'était 200 kilos, tu étais content, il ne faisait pas 400, c'était pas le gras. Voilà. À l'oustal, il en faisait 50, parce que dans le quintal, il y a 15, comme racine, c'est 50, c'est pas 100. Ils savent pourquoi tu les vois, j'y vais. Toi qui étais venu à cette canne, ta salle, aïe! Et c'est parti, fais-y la majorette comme ça, calme, c'est qui? Et à qui se suppute? Il y avait un type à cette date, et qui faisait des ridoulettes sur l'aïe, il faisait des ricochets. Mais au lieu de faire avec des coudoulettes, il ne faisait pas avec des coudoulettes, le gars, il ne faisait pas avec des galets. Fais-y avec des rondes de moulis, des meules de poulet, là, des grosses pierres, là, que l'une contre l'autre, là, des mêmes farines. Ouais, le type, il te voit arriver, Jeanne de Lourdes, il dit « Oh, clon, mais qu'est-ce que c'est fort, des fois la majouette, avec la canne et cette quintale ?» Et l'autre dit « Qu'est-ce que c'est fort, des fois ricouquer, t'as mis des rôles de moulis ?» Et évidemment, on se demande le nom, d'où vient, qu'est-ce que t'appelles ? Bon, je ne veux pas dire du mal de mes prédécesseurs, en fait, c'est son pasteur qui va, c'est parce que le type, il faisait les ricochets avec des rôles de moulis, alors il s'appelait rôles de moulis. Rode Mouly et Jeanne Lourdes sont partis faire les tours du monde et des aventures, ils en ont connu des dizaines qui seraient trop longues de raconter ici parce qu'il y avait plein d'autres manifestations pendant le week-end. Un jour, ils rendissent une bosque, ils étaient dans un bois et il y avait une bouscassière, il y avait un bûcheron estrade. L'outil, mais... et nous, on n'avait pas des pigasses, on n'avait pas des racines. Un bûcheron sans hache, sans scie, et même. Parce qu'on a déjà fait le coup des joubénotes pour le toit, il n'y avait même pas de tronçonneuse. Ah, mais non. Non, ça n'existe pas quand il n'y a pas d'électricité. Il faut mettre du gaz, je pense, à ça existe. C'est bien, quoi. Fais-y la corde à la corde. Teste à cave à la corde, à le pied d'un arbre. Fais-y le tour d'un bosque, il faisait le tour du bois, une ousette, et c'est cargé avec le bois sur l'esquine, se charger le bois sur le dos. Comme il faisait ça avec des chaînes, il s'appelait Liogarix. Alors ils sont partis, tous les trois, faire le tour du monde, Rod Mouly, Biogari et Jeanne Lourdes. Des histoires, ils en ont connu des centaines, hein. Mais bon, ils sont bien braves de cette médiathèque, on ne va pas rester pendant 12 mois à raconter toutes ces histoires. Bon, ils en ont tellement raconté qu'un jour, ils ont dit, c'est une cassade, il y a une sadoule, on a gagné un peu de repos, on va aller au Mont-Dol, faire un peu de ski ou de farniente. Soumets-toi, oh, il y a un passement des montagnes. Et vous étiez passé les montagnes. Mais il y avait un type là-bas qui s'échappait en portant les montagnes sous l'eau. Il y a un démasque, c'est le conseiller départemental, il a trouvé que ça faisait trop cher de travailler les routes de montagne, qu'il fallait que ce soit une plaine, l'Ariège, donc je déplace les montagnes, je les amène dans les plus hauts.